Bonjour, c'est Cécile. Bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui s'appelle Phobos. C'est le tome 1 d'une série en 4 tomes. C'est un roman pour ados à partir de 13 ans, mais qui peut être très bien lu par des adultes, puisque je suis moi-même adulte et que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un roman plutôt de science-fiction. En fait, c'est l'histoire de 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons qui partent pour Mars. Ça se passe dans un futur assez proche. En fait, la NASA a été vendue à une société privée pour éponger les dettes des États-Unis. Et un programme de conquête spatiale vers Mars a été mis en place pour faire une émission de télé-réalité. Donc la fusée qui s'appelle le Cupido est aménagée en 2 compartiments, un côté pour les jeunes femmes, un côté pour les jeunes hommes. Et pendant toute la durée du voyage, les jeunes femmes et les garçons se retrouvent séparés dans la fusée et ils se voient une fois par semaine. Ils s'organisent des rendez-vous dans un compartiment qui est dans la partie supérieure de la fusée, où il n'y a pas de gravité. Et voilà, ils s'organisent des speed dating. Donc le but de l'émission de télé-réalité est en fait de filmer ces jeunes dans la fusée pendant leur voyage et de filmer petit à petit les couples qui se forment et les prétendants et les prétendantes qui finalement tombent amoureux les uns des autres. Et pour arriver sur Mars, à avoir 6 couples qui vont coloniser la planète Mars. Donc c'est un roman du coup qui cumule plusieurs genres. Le genre de la science-fiction, puisqu'il y a vraiment le côté conquête spatiale. Le premier tome est vraiment la vie à l'intérieur de la fusée. Le côté romance, puisqu'il y a les couples qui se forment, les rendez-vous, beaucoup de rendez-vous sont décrits. Donc on voit les amours naissantes, les rejets au contraire, les jalousies entre prétendantes. On est plutôt du côté des filles, donc on voit plutôt leur quotidien à elles. À la fois, il y a aussi un côté très attachant parce qu'on suit l'héroïne qui s'appelle Léonore, qui est une jeune femme qui n'a pas eu de chance dans la vie, qui était orpheline, ses parents l'ont abandonnée dans une poubelle. Et en fait, on apprend au fur et à mesure du roman qu'elle n'est pas la seule à avoir un passé difficile, et qu'en fait, la plupart de ces jeunes ont été choisis parce que justement, ils n'avaient plus d'attache sur Terre, et qu'ils ont envoyé leur candidature pour avoir une nouvelle chance dans la vie, en fait, parce que plus rien n'allait dans leur vie, qu'ils avaient l'impression qu'ils n'avaient aucun espoir sur la Terre. Donc, ils partent sur Mars. Et c'est aussi un thriller parce qu'en fait, au bout d'assez peu de temps, on découvre que cette mission n'est pas sans danger et que ce qui a l'air d'être un bel espoir vers l'espace pour coloniser une nouvelle planète est en fait un piège. Voilà. Donc, je vous conseille Phobos, une série en 4 tomes qui est disponible à la médiathèque. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du Grand Méchant Book.